Le Mardi Gras a bien trouvé sa place à Bastia. La doyenne du groupe qui est en train de porter le drapeau. Je dirais que c'est un très bon cru. Franchement, de mémoire de carnavalier, on n'a pas fait mieux hein, depuis pas mal de temps. Mardi Gras à Basse-Terre, c'est ici. Les groupes ont mis le paquet et je crois qu'ils ne seront pas déçus. Tant la qualité des prestations sera belle et tant la qualité des talents artistiques seront mis en exergue. Voilà, c'est parti. On fait place aux images et à la musique. Ambiance débordante. On y va. De la musique, lâchez-moi les parasols. Lâchez-moi les parapluies, les parasols. À la cadence de la musique, tout le monde.
30% d'augmentation par rapport à 2013. Et cette année, je pense que nous allons atteindre un minimum de 200 000 personnes. Tous les pays nous ont écoutés. Et savez-vous quel est le quatrième pays après Guadeloupe, Martinique et la métropole? C'est le Brésil et l'Angleterre qui nous ont, je dirais, davantage regardés ici en Guadeloupe. Carnaval fait partie de l'économie de la Guadeloupe et quand la commission culture se réunit avec ma collègue, on parle du carnaval, des retombées du carnaval, comme on parle par exemple de la route du Rhum. Ça fait partie, je dirais, de toutes les manifestations qui portent. Nous n'avons qu'à voir par exemple sur les hôtels, chez l'habitat, les gîtes, sur les bords de route. Nous regardons quelles sont les personnes, tous les citoyens qui viennent du monde entier regarder le carnaval. Qui arrive sur ce tapis. Pense véritablement à ce pan de patrimoine culturel qu'est le carnaval en Guadeloupe.
pour que nous puissions véritablement faire quelque chose avec ce produit et arriver à faire de ce carnaval une destination Guadeloupe, carnaval. Et je crois que les touristes qui viendront n'auront rien à envier au grand carnaval comme Trinidad, les îles anglaises. Et Yon Kavini, je sais cuisiner, repasser, faire le ménage, pas sérieux, awa, petit belle, les gars sont vraiment macaques.
l'association qui laisse masse, ce groupe qui laisse masse, cette année, en 2015, et c'est leur première prestation. Alors je vous rappelle que Cassica a été décorée par le ministère de la Culture, ministère de la Culture pour justement les arts. Parce que Cassica c'est un très beau groupe. Le ouais. Premier art, l'architecture égyptienne.
le quartier de Bergevin et qui a obtenu à Vieux Habitants le premier prix, à Port-Louis le premier prix et deuxième à Bouillante. Voici double face. À mon niveau, on n'a que le fagnon pour l'instant. Oui, mais attends, voilà. Avec ce qui arrive derrière, tu auras largement pour tes oreilles. Je crois. Tu auras pour ton argent. Les téléspectateurs, les internautes, nos amis. Il y a les gros bras qui arrivent avec le char. Regardez ce qui arrive derrière encore, on est dans du lourd. Aïe, 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 je vois juste que ça brise. En tout cas, même s'il pleut, il vente, il neige, on reste à regarder ce superbe spectacle. À la fin, jusqu'au rond-point, là où je me situe, eh bien, écoutez, il y a énormément de foule, énormément de monde. Et comme je vous l'ai dit en début d'émission, je vous rappelle que pour l'année 2016, à Basse-Terre, tous les hébergements sont pris. Il n'y a plus de place pour le carnaval de l'année prochaine à Basse-Terre. Il faudra vous loger ailleurs qu'à Basse-Terre. Basse-Terre reste quand même une commune très, très belle, très tournée vers la mer. Et puis, c'est comme ça, il n'y a plus de place, il faut réserver à l'avance maintenant, même dans les gradins, même dans les estrades, il faut tout réserver à l'avance.